Et salut à tous, c'est Mods, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais montrer quelques petits achats et mon premier colis eBay. Je suis très content de l'avoir reçu. Du coup, je vais vous montrer le Halloween 20 ans après, parce que de toute façon, celui-là en magasin, il est introuvable. Sur Internet, Amazon, introuvable. Du coup, je l'ai trouvé, j'ai essayé de le commander sur eBay, du coup, en bon état. Du coup, voilà, juste le CD. Voilà. Du coup, je l'ai payé 10 euros et quasiment 3 euros de frais de port, du coup 13 euros, du coup ça va, c'est correct. Du coup, aussi sur un colis Amazon, la 7e saison de The Walking Dead en Blu-ray. De toute façon, je vais tous les prendre en Blu-ray. J'avais déjà le coffret des 5 premières saisons en Blu-ray. Du coup, la 7e. Et j'avais aussi acheté, pardon, dans un magasin Easy Cash, la 6e saison, justement, la 6e, et après, juste derrière, j'avais commandé la 7e, du coup, en Blu-ray à chaque fois. Du coup, quelques petits achats vite fait. Hitman 2 sur PS4, 9 à Carrefour à 10 euros. Un jeu PS3, ça fait plaisir, ça fait seulement la première fois que j'achète un jeu de PS3 neuf. Il était neuf. Du coup, il y a le premier et le deuxième One Piece Warrior Pirates. Le 1 et le 2 pour 15 euros, du coup c'est correct. Et un petit film que j'ai trouvé pour 10 euros, il me le manquait aussi. Le 9e Fast and Furious à Carrefour aussi, 10 euros aussi. Du coup voilà, je suis très content aussi de l'avoir. Je l'ai été le voir, je vous le conseille, je l'ai vu au cinéma. Du coup, Fast and Furious, le One Piece à 15 euros, les deux. Le Hitman à Carrefour, 10 euros. La 6e saison de Walking Dead, je l'avais payé 6 euros. Du coup, la 7e sur Amazon de The Walking Dead, je l'avais acheté 12 euros aussi. Et le Halloween, 12-13 euros. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ciao, ciao tout le monde.